tête, j'en prends un et on est bon, allez, bonsoir. Bon, du coup on attaque... Il y a trop de trucs à faire, putain, c'est un cauchemar. On vide en premier le meuble Kallax. Après on va essayer de le bouger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, il y a autre chose à faire avant. Faire quoi? Bah faut démonter tout mon bureau. Putain. On va venir le stocker par là, ou dans l'entrée. Ouais. Alors, le but c'est on démonte les écrans, tour, ensuite on bouge les planches et les deux tiroirs. Parce que de toute façon on pourra pas déplacer le lit et ensuite déplacer le meuble Kallax. Tu vois, genre on va faire une rotation. Ah ça va être de la merde assurée. Putain je sens que ça va être la merde assurée. Oh la vache, putain. Et bah c'est parti pour un épisode 2. Frère, je suis en train de me dire un truc là. Parmi ceux qui vont voir la vidéo, il y en a quelques-uns qui suivent tes lives. Ouais. Ou techniquement qui ont peut-être déjà vu mes lives potentiellement. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils vont voir vraiment l'envers du décor là. C'est-à-dire l'espèce de carnage qu'il y a sur mon bureau. Je viens de réfléchir que maintenant. Mais ça va être un délire. Les gars, le bureau il était magnifique quand on l'avait présenté. Et maintenant c'est un bordel, c'est un détritus à déchets, frère. Qu'est-ce qui se branle? Mais juste, en gros, le bail c'est que genre ça, on le démonte. Ouais. On va le foutre dans le salon ou dans l'entrée pour le stocker. Ouais. Ça, quand, vu qu'il sera replié, on va le foutre entre le mur dans le fond. Ouais. Et après faudra enfin tu vois quoi. Faudra réussir à déplacer ce bulldozer quoi, je sais pas trop comment on va faire mais. Putain. Je suis en train de me dire, passer un petit coup d'aspirateur sur le siège, ça pourrait être sympa, il y a quand même beaucoup de miettes hein, je trouve. T'as arrêté de bouffer sur ton siège aussi? Comme si tu le faisais jamais toi. Non. Jamais. Jamais. Il est lourd en fait je crois, non? Oh putain il pèse un poids de peu. Question, il passe là ou pas tu penses? Oui. Oh la télé, oh la télé. Attends mais il passe pas en fait là. Mais il passe pas du tout. Il passe pas du tout. Faut que tu le fasses rentrer en biais. Bon je vais venir t'aider parce qu'apparemment. On s'y met des châteaux pour un fauteuil. Ah putain ça passe pas. Putain t'es de merde. Ça passe pas. Stop, demi-tour. Demi-tour, ressort. Ressort. Merde. Attends, pense en vrai, faut retirer les roues, t'en penses quoi? Eh hey, mais viens on le couche. On couche, c'est ce qu'on vient de faire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'exceptionnellement, juste pour la vidéo aujourd'hui, on pourrait pas. Mais pourquoi? Je peux pas la retirer. Quoi? Comment ça, je peux pas la retirer? Il est avec une porte. Mais non, mais j'ai compris pourquoi. Parce que lui, il est en dessous. C'est quoi cette porte? On va pas avoir à dévisser. Frère, on dévisse pas tout. Mais sinon, t'enlèves juste celle d'en bas. Regarde, ça fait deux minutes qu'on a commencé, y'en a une, il va folie quand tu vas voir la vidéo. Bon, on a juste une porte. Tu sens? Oui? Il me faut un tournevis. I have the tournevis de la moitié. Celle du haut, elle est pas vissée. Elle est pas vissée? Peut-être ça avec une tournevis depuis le début. Je te jure, regarde la vis. Oh the fuck. Je vais essayer à retirer mon tournevis quand même. Ah putain, mais. Ça a été sûr. Ça passe? Oui, ça passe. Voilà, ça passe. Tu vois que ça passe? Ouais, ça passe. Tout va bien. Oh là là. Allez, le fauteuil. Ah, attends. Je suis sûr que tu pourrais rentrer dedans en pliant tout. Le cirque par l'air. Ah. JPP, LOL et LGR n'ont jamais été aussi bien prononcés et aussi bien appliqués qu'avec toi. Ça passe pas. Allez, pose-le là. Voilà, oh, regarde, hop. Oh ça passe. Monté. Problème de cap. Oh putain. Quoi? Le plus dur est fait. Mais pourquoi tu enlèves? Bah juste le câble pour éviter que la télé parte avec tous les câbles. Mais on s'en fout frère, vas-y laisse tout ça, on va déplacer directement un seul bloc, on s'en vole. Allez vas-y. Bon bah si monsieur veut tout faire en un seul bloc en sachant qu'il y a sa PS4 et une télé, vas-y hein. Voici mon boîtier de Switch. Allez go. La PS4, comment elle va tomber? Mais non t'inquiète. Oh la télé. Trust me. Mais comment elle va péter la vie la télé? T'es là, casse-toi. Elle pète les couilles cette place. Voilà. Dégage. Va jouer avec ta quéquette dans le sable. Allez bouge ta race. Elle fait chier, elle était pas là l'épisode 1 elle. Putain. Salope. Mais va chercher un sac poubelle. Mais pourquoi tu veux un sac poubelle? T'as pour jeter toutes tes merdes là, t'as des merdes partout, t'as. Mais t'as des sacs poubelles partout ici, gros espèce, con. Espèce d'alcoolique. Alcoolique avec du Red Bull, qu'est-ce que tu me parles toi? Elle nous casse les couilles. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup en fait. Qu'est-ce que tu fais à ranger ça alors qu'on est là? Je veux les stacks pour pouvoir les. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bureau d'abord à vider. T'as déjà des displays quoi? Tu te fous de ma gueule? Ah, c'est ça le display?
Ah, j'ai confondu avec le VGA. Non mais mec, je suis fatigué. Tu sais, en fait, j'avais dans la tête l'image du porc VGA et je suis putain, ça te paraît quand même pas fort. Mec, les VGA, ça se fait plus. Ah, c'est Razer. C'est pour ma souris. Tu le laisses sur le PC, s'il te plaît. Ah non, tu changes de boîtier. Attends, je vais peut-être le. Ah, tu changes de boîtier. Attends, je sais, est-ce que je peux la mettre. Ouais, t'as un emplacement en dessous. Attends, c'est bon ou c'est pété? Quoi? T'as vu comment t'appuies comme un connard? Ça se retire vachement facilement maintenant, j'ai l'impression quand même. Moi je retirais pas aussi facilement de la dernière fois. Peut-être parce qu'il fallait une première fois tout. Aïe. Mais où ton PC? Ah putain, j'avais. Ça marche toujours. Oh, j'ai envoyé du futur. Vas-y. Alors par contre, si on fait ça, on prend des gros escales. Hein. C'est quoi? Non. Et on porte la planche ou on la porte là-bas directement? Non, cette planche-là elle passe pas en largeur, rien à dire. Avec tes écrans dessus, encore moins. That's right! C'est pour ça qu'on va la pencher! Avec les écrans? T'es con, toi. Le personnel? Oui. Ah! Soulève ta mère, soulève! Attends, mais non, mais t'es con. Mais quoi? Ça passera pas, là. Mais ça passe. T'as compté avec ou sans le radiateur? Ah, ouais, bah oui, c'est bon. Eh bah, si ça passe! Putain! Enlève-moi ce... Le roi des mesures! Comme ça? Bon, peut-être pas plus. Bah écoute, on va voir ça. Allez, allez, go. Tu mets un petit coup d'éponge là et puis tu me fais ça tout neuf. Allez. Tu sais que je sais même pas si je suis encore en joué. C'est peut-être le seul morceau que j'ai entre guillemets appris par cœur, si je puis dire. Ça va pas le faire. Ah, peut-être alors que tu m'aides un peu. En fait, je te jure, t'es touché, ils vont aller se faire enculer quand je vais te dire ce que je compte faire. Qu'est-ce que tu branles? Mais je vais aller mettre mes écrans, trou de balle. Laissez passer l'homme aux écrans. Vas-y, 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 vas-y. Pousse-le, ah, je suis au fond? Non, pas encore. Putain. Ok, là, c'est bon, je suis dans le fond. C'est bon, normalement. Une surprise se cache au cours de la vidéo pour Tristan, sachant qu'il ne sait pas ce que c'est. Je sais c'est quoi, c'est une buanderie. Tu vas me niquer ma race. C'est ça une buanderie. Ouais. Enculé. Bouh, y'a un truc, un gros armoire que tu mets là-bas. C'est ça, vous le, t'en as parlé un jour. Vous en avez parlé, c'est ça. Elle fait 1m75. Ah, ta mère. J'ai pas envie, je me casse. Il faut la monter de A à Z. Bah non. Non, tu te démerdes. Tu te démerdes. Fallait monter? Non. Si, si, si. Comprends pas, j'ai un mauvais souvenir avec eux, moi. Si, 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 si. C'est mort. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. Quel enculé. C'est trop tard, Tristan, tu es coincé ici. Ta gueule. J'ai pas envie. Tu veux le faire? Non, je déclare forfait. Tuto pour avoir de l'aide gratuite pour les trucs les plus casse-couilles. Ta mère. Invitez votre pote pour un truc simple pour qu'ensuite il fasse les trucs les plus durs parce qu'il ne pourra pas fuir. Voilà. Je peux très bien prendre ma caméra et partir. Aujourd'hui, nous avons démonté son PC de merde. Pour en faire un bien meilleur. Alors, les enfants. Est-ce que je suis légèrement accro au fait que j'ai pas envie que mon PC foire? Ça serait mal t'avouer que c'est la première fois que je change une pâte thermique alors. Hein, quoi? Quoi? Tu rigoles. Je sais comment faire. Tristan. Quoi? Vas-y, fais ça proprement. N'hésite surtout pas, prends tout ton temps. Ah, d'accord, il est sorti bien. Le mien est sorti de mon côté. Ici. Les deux sont sortis de mon côté. Il reste plus que le tien. De toute façon, si t'arrives à retirer un côté, t'arrives à retirer l'autre côté avec. Ils nous voient en train de galérer comme des gros schlags, c'est abusé. Au montage, on est pas des cons. T'avais pas des vis avec? Hein? Ils ont une boîte dedans. Pourquoi on a pas eu de boîte? Nous, on a pas de vis là. Parce que la boîte pour le pros, etc., c'était intégré. Parce que pour acheter un full pack. Je te parle de normalement là. T'as une boîte avec des vis pour tout ce qui est pour la carte mère et tout. Non, justement, parce que ça c'était avec. C'est pas normal. Avec autre chose ça. Ah, je vais vérifier donc tu es là-bas. Hein. En fait, on est censé se démerder quoi. Pourquoi il y a une boîte avec des vis? Alors, je l'ai pas vu. Elle est scotchée quelque part, je vois pas. Non? C'est bizarre. Hein. Ah putain, je pensais savoir où est-ce qu'elles sont les vis. Elles sont où? Bah, mon PC de base c'était un PC d'exposition et ils leur foutent sur le carton. Donc, ça se trouve, la boîte elle est pas du tout en carton. Allez. On va se dépatouiller, c'est pas grave. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que il y a à peu près une semaine de ça, je vous ai acheté un boîtier, une carte graphique, enfin tout ce qu'il faut pour un PC. Mm-hmm. Il se trouve que j'ai pris un Quassé BeQuiet pur Base 500X, si je dis pas de bêtises. En façade, il y a du mesh ou pas? Il y a du RGB dessus, ouais, il y a deux lignes RGB. Ok, ouais.
Et du coup, je vous avais acheté ce boîtier-là qui était le dernier. C'était celui qui était en exposition et vous me l'avez remis dans un carton. Ouais. Sauf que je sais pas si c'est que mon modèle ou pas, mais j'ai zéro vis de fourni avec. Il y avait pas un rack de fixation, dans le rack des disques de 3.5. Alors, dans le sens où que sur chaque review que je vois ou autre, il y a un petit carton avec plein de vis qui sert à fixer la carte mère et autres. Vous l'avez pas justement? Eh ben non, j'ai pas ça du tout. Ah, vous habitez loin? Ah bah oui, j'habite à Angers. Ah, Alors si vous pouvez essayer de monter le PC comme ça, et si ça marche pas, ce que je comprendrais, et ben en fait on va pouvoir vous renvoyer du coup un petit pack de vis directement par la poste. Ok, moi j'ai envie de dire c'est la seule solution, donc on n'a pas trop choix. Bah, je vous remercie, à bientôt. À bientôt. DLC, vous avez merdé, vous devez du sponsor, offrez-moi un PC. Après, en vrai, les gars, LDLC Nantes, franchement, des boss. Hein. Mec, ils réagissent direct, ils te renvoient le truc direct. En attendant, j'ai réussi à trouver des vis, moi. Je suis content. Non, mais tu déconnes, mais en vrai, super réactif, les mecs. Hein. Bah, c'est ça, hein. Malheureusement, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Après au moins 3 heures de montage. Ouais, 3 heures, t'es encore gentil, toi. Dès que je suis vraiment trop gentil. Ça fait 3h30 qu'on est dessus, là, vas-y, ça casse les couilles. Je suis en train de me dire, est-ce que ma multiprise est allumée? Ah, tu fais chier. T'as allumé la lime? Allumé. Oh non, la sonnerie du téléphone au même moment. Ah, tu mettrais une musique au montage, hein.